et l'importance de l'entame du match d'aujourd'hui, de l'engagement, de la concentration pendant 90 minutes. L'enjeu, c'est évidemment les 3 points, point barre. Nous avons le plaisir de retrouver le Paris Saint-Germain. Cette équipe qui fait partie des favoris pour le titre et qui ne déçoit pas en cette première moitié de saison. Et voici la composition du Paris Saint-Germain. Pour garder le but, Keylor Navas, Thiago Silva en défense, associé à Presnel Kimpembe. Idrissa Gueye sera avec Marco Verratti au milieu de terrain. Et devant, on va retrouver Kylian Mbappé qui sera en charge d'animer l'attaque. Le match qui débute avec le coup d'envoi donné par le Paris Saint-Germain. Il perd le ballon. Idrissa Gueye. Il va sûrement essayer de chercher quelqu'un dans l'axe. Ça sort en touche. Le Paris Saint-Germain qui est l'équipe qui a inscrit le plus de buts en jeu. Oh, la faute, oui, il est allé trop fort. Il risque de prendre un jaune. Ballon perdu par les Parisiens. Ah, c'est mal dé... Ah, la passe en profondeur, attention. Ah, le drapeau qui s'est levé. Mais dommage parce qu'il était seul. Neymar. Le couloir est désert, le PSG va pouvoir en profiter. Mbappé. Idrissa Gueye. Gueye. Le gardien qui repousse, ça peut revenir. Le Paris Saint-Germain qui est le favori évident de cette confrontation aujourd'hui. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Qu'ils vont faire. Allez, après tout, pourquoi pas. Ils reprennent possession du ballon. Christophe Jallet qui demande à ses partenaires de se démarquer. Et la passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Mbappé. Allez, il a du champ. Le gardien qui se saisit facilement du ballon. Ça manquait un peu de conviction hein, pour espérer marquer là-dessus. Oui, c'était un peu timide. Il n'a pas eu grand-chose à faire finalement. Mbappé. Essaye de trouver la faille. Kylian Mbappé. Ah, il y est. On le sentait venir. Et il est venu. Ah, c'est un premier but amplement mérité pour cette équipe. Et ce joueur qui confirme toute sa classe avec ce but. Oui, il y a tout là. Il y a le sang-froid dans la finition, aucune précipitation dans le dernier geste. La marque des tourants. Le Paris Saint-Germain qui est devant au tableau d'affichage. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Bon, ça va être une occasion. Steven Mendoza. Ouais, l'arrêt du gardien, bonne prise de balle, pas de souci. Marco Verratti. Mbappé. Et le PSG qui va profiter de cet espace hein, sur les ailes. Alors, le ballon qui est dégagé. Un ballon pour l'adversaire. Neymar. Ouais, il récupère le ballon sur ce bon tacle. Mbappé. Ouais, le bon ballon. Ouais, très beau tacle. Il a sûrement évité une grosse occasion de but. Idrissa Gueye. Bonne intervention du défenseur qui a écarté le danger. Diabaté. Guirassy. Et il donne un ballon piqué. Oh, il était tout seul face au gardien.
Oh, l'occasion. Ah, il a manqué de lucidité, de relâchement. Pas la peine de chercher plus loin. Mbappé. Attention, ça peut devenir La bonne conduite de balle, le contre qui est lancé. Non, ça c'est très mal joué. Ça c'est très très mal joué, il était tout seul face au gardien. Qu'est-ce qui lui prend aussi d'envoyer une menace comme ça? C'est gâché, c'est gâché. Neymar. Ouais, bon tacle, hein. Il lui a pris le ballon. Chercher une ouverture, bien sûr. La conduite de balle, impossible de lui prendre le ballon. La passe est coupée et bien défendue. Okay. Il y va tout seul. Attention à nouveau. Et le but. Et le but. Et le but pour le PSG. Les joueurs parisiens qui portent leur avance à 2 buts dans cette partie. On revoit sur ces images que la défense est quand même un tout petit peu passive sur cette action. Mais allez, on va quand même saluer le petit numéro individuel qui amène ce but. Ça fait maintenant 2 buts d'écart. Hein. 2-0 au tableau d'affichage. Qui est rendu au camp adverse. Et le break peut être fait à la pause. C'est la mi-temps à l'instant, le score. L'arbitre qui peut donner le coup d'envoi de cette seconde période ici au Parc des Princes. C'est une mauvaise passe et c'est cadeau. Les statistiques sont assez claires. La possession du ballon, elle est pour le Paris Saint-Germain. Et attention, parce que... Oh, il va filer au but. But pour le Paris Saint-Germain. Très bonne prestation des joueurs du PSG qui augmentent encore un peu leur avance. Beaucoup de maîtrise chez les Parisiens. Ils ne devraient plus lâcher maintenant. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Neymar. Et le duel remporté dans sa surface. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Neymar. Le PSG va jouer cette touche. Idriss Agueil, Mbappé, l'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente, on voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer ce changement. Non, c'est pas très bien joué. Ah, il n'a pas cadré. Mbappé. Ah ben c'est un adversaire qui récupère cette passe. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Ouais, il a mal lu le jeu en déclenchant son appel. C'est un hors-jeu. Voilà, Neymar dans ses œuvres magnifiques. Allez, à deux, il y a du soutien derrière lui. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Très mal donné, hein, ce ballon. Kylian Mbappé avec un tir et le gardien qui pour une fois est sur ce ballon. Il était temps parce qu'il est totalement à côté de ses pompes aujourd'hui. L'action n'ira pas plus loin. Daniel Kimpembe, Idriss Agueil, Thomas Meunier. PSG qui perd ce ballon. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Neymar qui continue. Un long ballon loin devant.
Gueye. Moussa Konaté. Thiago Silva. Neymar. Mbappé. Il fait la passe. L'occasion de lui souhaiter un joyeux anniversaire, puisque c'est aujourd'hui. Là, le ballon qui est perdu. Mbappé. Il faut trouver une option disponible. Ouais, beau tacle dans sa propre surface. Ah, ce sera une touche. Le ballon a été dégagé. Verratti. Ballon pour Neymar sur l'aile. Ah, je crois qu'on ne verra plus de but dans cette rencontre. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. L'action qui se poursuit. Il faut qu'il centre là. Par les Parisiens. On jouera 2 minutes de temps additionnel. Les 30 derniers mètres. Moussa Konaté. Le ballon bien repris. Et l'arbitre siffle la fin du match.